Les gars, quand on regarde le groupe de l'équipe de France en Coupe du Monde, le groupe D, c'est le groupe détente. L'Australie, l'Océanie, l'Océan nul, nul, les gars. Voilà, déjà, pourquoi l'Australie joue la Coupe d'Asie, les gars? Voilà, c'est pas juste. Pourquoi l'Algérie, ils ont pas joué la Coupe d'Asie? On se serait qualifié, l'Algérie, sur la vie de ma mère. Après, le Danemark, très facile. La Tunisie, c'est easy. Voilà, la Tunisie, c'est easy, les gars. On va les gagner facilement. Mais attention. Attention les joueurs de l'équipe de France. Il y a un proverbe camerounais qui dit, le moment où tu crois que t'es plus en danger, c'est là où t'es en danger. D'accord les gars? Donc faites attention. Moi j'ai peur. L'emblème, c'est la poule. Et on va pas passer les poules, les gars, quand même. Moi je préfère rappeler ce proverbe aux joueurs de l'équipe de France. Quand tu crois que t'es plus en danger, c'est là que t'es en danger. Et là, vraiment, on n'est vraiment pas en danger, les gars. Voilà, l'Australie vont finir cinquième du groupe sur la vie de ma mère. Voilà, on va finir avec 12 points sur 9 possibles. 12 points, les gars. Tu peux avoir 10 Benzema. Si le 11e, c'est Veretout, tu gagnes rien du tout. Voilà. Après, les gars, faut pas être négatif comme ça. Mais moi, j'ai une solution. Voilà. C'est que l'équipe de France joue sans milieu de terrain. On met 4 défenseurs, 6 attaquants et le gardien. Voilà, les gars, on est tranquille. La vie de ma mère. Même tu mets Mandanda à la place de Pavard. Voilà. Et c'est l'équipe parfaite. 4 défenseurs, 6 attaquants.